Ah, le moment le plus palpitant pour l'équipe de France maintenant, l'apparition d'Eva Serrano avec une chorégraphie personnalisée, musique composée pour elle spécialement. Et l'on va voir si Eva Serrano peut réaliser des prouesses au massu comme elle le fit tout à l'heure au cerceau. Pas mal. Là. Il y a des très très beaux équilibres, Eva. Ça n'a pas bougé d'un centimètre, c'était magnifique. Elle a une envergure de jambes qui lui permet justement de se positionner en équilibre. Il a rattrapé son lancer de tour. Bon renversement rattrapé. Bien, ce cassé de rein souple. Lancer roulade. Voilà. Allez, encore quelques secondes. Et s'il n'y a pas de faute, peut-être qu'Eva Serrano va se rapprocher du podium. Oh, très joli. Bravo. Ah, le public est ravi parce que c'est... Après Christelle Sahuc, c'est la 30e française qui éclate au niveau mondial. Eva Serrano, je vous laisse en compagnie d'Alain Vernon et l'entraîneur. Oui Pierre, Dina Tanasova, c'était très bien. Très très bien, je suis contente. Maintenant la notation c'est autre chose peut-être. Pardon? La notation c'est autre chose peut-être. Oui, je ne sais pas. Eva, restez très bien. Eva, c'était très bien, bravo. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même Eva, c'est difficile. Elle revient pour... Elle a raison. Ça peut influencer les juges en retour devant le public. Soulagée? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, racontez-moi. Ben, ça s'est très bien passé, le public m'a bien porté et ça a permis de bien travailler. Vous êtes contente, hein? Ça va. Oui. Maintenant, la notation, ça va être plus difficile. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur, Eva, maintenant? Ah, c'est difficile, Pierre, c'est ça. Déçu, Eva? Non, j'ai bien travaillé. J'ai encore du travail pour arriver au niveau des championnes russes, néo-russes, tout ça. C'était super quand même, bravo, Eva. Ah, dommage, Pierre, dommage. Elle est consciente quand même de la réalité. Mais l'écart se réduit entre Eva Serrano et Maria Petrova ou Ekaterina Serevskaya. C'est vrai qu'elle a été bonne, mais peut-être a-t-il manqué. C'est vrai, Christelle Sahuc.